Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Vous reconnaissez tous ce bruit, un bruit qui nous semble anodin aujourd'hui, puisque nous pouvons l'entendre tous les jours en ouvrant notre robinet. Il s'agit de l'eau. Pourtant, aussi anodin qu'il puisse nous paraître, nous savons aujourd'hui que cette ressource est en grand danger, et par conséquent met en danger toute vie sur Terre. Mais revenons quelque peu en arrière pour connaître l'origine de l'eau. À aujourd'hui, trois hypothèses scientifiques sont évoquées quant à son apparition. Le premier scénario serait que celle-ci était abritée du rayonnement solaire à l'intérieur des poussières du nuage originel qui a formé notre planète. Le second scénario met en avant le rôle des astéroïdes et comètes qui, lointaines à notre système solaire, étaient chargées en eau avant de percuter la Terre. Et le dernier, plus récent, imagine la migration de planètes gazeuses près de planètes telluriques au moment de la formation de notre système solaire, un processus similaire aux comètes, mais cette fois-ci à plus grande échelle. Quoi qu'il en soit, l'eau est bien présente sur Terre, et la soupe primordiale, ou les interactions physico-chimiques qui ont été nécessaires à la formation de la vie, contenait la fameuse molécule H2O, qui après refroidissement de notre planète serait passée de l'état de vapeur à celle de liquide. Vu de l'espace, notre Terre est bleue. L'eau représente 70% de la couverture de notre planète. On pourrait croire à ce moment-là que la pénurie d'eau est une utopie, mais non, puisque l'eau douce nécessaire aux humains et à l'ensemble de notre environnement ne représente que 2,53% de ces 70%. Ce qui signifie que la majeure partie de l'eau présente sur notre Terre est salée, comprenant océans et mers, et également des aquifères souterrains qui représentent 1%. L'eau douce est donc à la base une ressource rare qui se concentre sous diverses formes. À l'état liquide, il s'agit des sources souterraines qui représentent 30%. La plus grande concentration d'eau nécessaire à notre vie est sous forme de glace. Les glaciers de l'Antarctique représentent 61,7%, 6,7% pour le Groenland et 0,12% pour les glaciers montagneux et le pergélisol, puis ensuite vient le sous-sol avec 0,86%. Nous comprenons d'autant plus que le réchauffement climatique qui engendre la fonte des glaciers est dramatique pour cette ressource. L'humanité a grandi près des rivières et fleuves pour cultiver, pêcher, s'hydrater. Avec la révolution industrielle s'est accompagnée une révolution hydraulique à mesure que les populations s'éloignaient des cours d'eau. Moins visible que la révolution industrielle car cachée sous terre, les canalisations forment pourtant des circuits très complexes. Il est aujourd'hui impossible de vendre ou de louer dans les pays occidentaux un logement sans eau courante. L'eau qui ne fait que passer pour rejoindre l'océan a une grande particularité juridique puisque contrairement à un terrain foncier immobile, celle-ci ne fait que se déplacer et ne peut donc pas être privatisée. L'eau des cours d'eau relève donc de la puissance publique, ce qui explique le rôle des municipalités dans les travaux d'adduction d'eau. L'industrialisation de l'eau a commencé par des canalisations d'eau plus ou moins saines, elle s'est poursuivie par la réalisation des égouts, puis par la diffusion d'eau potable par des stations d'épuration, et enfin par des techniques scientifiques de plus en plus sophistiquées, tant pour assurer le traitement des eaux que pour lutter contre diverses formes de pollution. Ces installations ont donc permis aux entreprises de s'installer loin des cours d'eau et ainsi de coloniser les territoires. À titre individuel, l'apparition des salles de bain équipées de douches, baignoires et toilettes se diffuse d'abord aux États-Unis et ensuite dans le reste de l'Occident, modifiant peu à peu les comportements sociaux en termes d'hygiène. Le premier outil qui a permis à l'homme de stocker l'eau pour une utilisation ultérieure est le barrage. Autrefois, seuls des détournements étaient effectués pour irriguer les cultures. Estimés tout d'abord à 8 millions d'hectares, les surfaces irriguées dans le monde sont passés à 48 millions en 1900 et aujourd'hui nous sommes au moins à 300 millions d'hectares de terres irriguées.
40% de ces surfaces sont alimentées par des eaux stockées dans les barrages, les deux tiers étant irrigués par l'eau des fleuves détournée par des canaux. Au niveau mondial, on peut estimer que l'agriculture dispose de 80% des eaux faisant l'objet d'opérations hydrauliques, 22% pour l'industrie et la production d'énergie, et 8% pour l'usage domestique. Mais celle-ci a un coût, qui diffère à travers le monde. Les facteurs à sa dénomination dépendent de la gestion communale ou de l'entreprise privée, et le coût de l'assainissement, mais cela ne s'arrête pas là. Les données géographiques, la nature des sols, les caractéristiques régionales du climat, les densités de peuplement, les types d'agriculture entre autres, interviennent sur le prix de l'eau. Prenons par exemple la désalinisation de l'eau, qui est une méthode très coûteuse en énergie, permet à l'Arabie Saoudite de faire payer l'eau 100 fois moins cher qu'à Paris. Les systèmes agricoles à travers le monde, dépendant également de ces mêmes caractéristiques, les différencient. La période de mousson et l'irrigation pour l'Asie et le bassin méditerranéen, la pratique d'agriculture sous pluie pour l'Afrique tropicale, et l'Europe qui dépend essentiellement du stockage de l'eau dans les nappes phréatiques. Le problème directement lié aux méthodes européennes est l'extension des zones irriguées qui sollicitent de plus en plus les nappes phréatiques. La diminution des petits exploitants au profit d'une agriculture industrielle a développé un nouveau phénomène, celui des engrais et autres produits phytopharmaceutiques qui se retrouvent aujourd'hui dans les nappes et donc dans nos robinets, altérant la qualité de celles-ci ainsi que notre santé. N'oublions pas aujourd'hui d'ajouter les microparticules de plastique. La gestion de l'eau à la française dans les villes s'est manifestée à partir de 1823 avec une épidémie de choléra qui a touché riches comme pauvres, faisant plus d'un million de morts en Europe. Constatant que le choléra ne se diffusait pas dans les eaux pures, mais dans les eaux souillées de la ville, la France légifère en 1828 pour laisser la gestion de l'eau au territoire. Chaque collectivité distribue l'eau, la surveille et entretient les canalisations et le matériel de pompage, le tout géré en régie, par une entreprise publique, dépendant de la municipalité, mais le privé n'était pas bien loin. Sous Napoléon III, les grands travaux hydrauliques sont réalisés, et en 1853 est créée par décret impérial la Compagnie Générale des Eaux. Les capitalistes privés ont donc compris que la distribution de l'eau allait permettre de fructueux profits. Aussi, Paris était en charge de l'exploitation technique et des eaux non potables de la Seine, et la compagnie chargée d'accroître les abonnements au secteur privé pour l'eau potable et s'occuper de relier le service aux maisons. Ce mix de compétences a perduré jusqu'à aujourd'hui. L'utilisation de l'eau a donc suivi la révolution industrielle pour nous permettre aujourd'hui en toute inconscience d'ouvrir notre robinet et d'accéder à un élément essentiel à la vie. Nous pourrions estimer que c'est parfait et normal, mais cela ne l'est pas, dans la mesure où cette ressource d'eau potable est limitée et non renouvelable. Le réchauffement engendré par l'activité humaine combiné à une utilisation croissante de l'eau dans l'agriculture, l'industrie et à titre domestique menace la population mondiale d'une pénurie d'eau irréversible et meurtrière. Une récente étude affirme qu'un quart de la population mondiale, soit un peu moins de 2 milliards d'individus vivant dans 17 pays, sont en risque de pénurie hydrique grave et d'atteindre le jour zéro, c'est-à-dire aucune goutte d'eau ne sortira lorsque nous ouvrirons le robinet. Il est important de rappeler les conséquences d'une telle crise. À travers l'histoire de l'eau, la construction de barrages et le détournement des fleuves ont engendré de nombreuses guerres. Nous n'avons souvent qu'une vision partielle de l'impact des ressources naturelles sur nous les hommes. Coincés dans nos vies individuelles, nous ne remettons jamais en question la banalité de pouvoir tirer la chasse d'eau. Cependant, ce stress hydrique intense qui s'amplifie signifie l'explosion de conflits pour cause d'insécurité alimentaire, de migration et d'instabilité financière. Tout a toujours une cause et donc des conséquences. Pour le cas français, nous relèverons les conséquences de l'industrialisation de notre agriculture et la multiplication des entreprises gourmandes en eau. Nous sommes tous d'accord pour ouvrir nos yeux sur la réalité de nos paysages jaunis, brûlés par la sécheresse. Quelles sont nos réponses à cette pénurie ? Construire de nouveaux barrages, asséchant un peu plus les terres en aval, risquant plus d'inondations en amont ? Puiser toujours plus dans les rivières et les nappes phréatiques pour une agriculture essentiellement centrée sur l'export et non sur la culture vivrière d'un territoire? Continuer à consommer des produits gourmands en eau comme le coca dont la fabrication nécessite énormément d'eau ou bien continuer à soutenir par nos achats le groupe Nestlé qui s'accapare les sources d'eau du monde pour rester le leader mondial avec 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, appauvrissant des régions entières? Bien évidemment, le PDG du groupe estime que l'eau n'est pas un bien public, qu'elle doit avoir une valeur marchande puisqu'alimentaire.
Un peu comme le PDG de L'Oréal peut estimer que la pollution est bonne pour le business. Ce fort lobbying de multinationales est aujourd'hui l'unique responsable de la pénurie à venir. Revenons en arrière rapidement. L'origine de la vie dépend de la molécule d'eau. Elle dépasse donc complètement la conception humaine de l'économie et donc de la marchandisation du vivant. Les plus gros prédateurs sont donc aujourd'hui les multinationales, mais également les politiques qui préfèrent privatiser le vivant pour en toucher les fruits à court terme, empiétant un peu plus chaque jour sur l'avenir de l'humanité tout entière. Un premier petit conseil individuel. Les études scientifiques ont démontré l'insalubrité de l'eau en bouteille plastique. Evian, San Pellegrino et j'en passe sont chargés de microplastiques que nous ingérons en les buvant, à savoir que sur une semaine nous ingérons l'équivalent d'une carte bancaire. En plus de cela, nous polluons par l'achat de la bouteille. Aussi, à aujourd'hui, l'eau la plus saine et à moindre empreinte écologique reste l'eau du robinet. Si vous disposez d'une mauvaise qualité d'eau, conservez-la dans une bouteille en verre, mettez-la au frais, les particules descendront et l'eau aura de nouveau un goût neutre. Nous devons désormais regarder l'eau d'une manière différente. Aussi, pour cela, fermez les yeux. Imaginez-vous dans un désert aride, marchant, ignorant le bout du chemin, délirant par la chaleur intense et crevant de soif, et d'un coup, un robinet apparaît. L'eau coule. Imaginez le nombre de gorgées qui va régénérer votre corps, qui est composé d'ailleurs à 90% d'eau. Sentez-vous la vie réapparaître? Eh bien, à chaque fois que vous voyez de l'eau, pensez au nombre de gorgées susceptibles d'étancher la soif, et vous comprendrez le gaspillage quotidien que l'on en fait. Le plus flagrant est lorsque je croise une rampe d'arrosage agricole. J'imagine le nombre de gorgées, j'imagine le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants déshydratés dans le monde, et je me révolte intérieurement de voir autant de gaspillage, qui, je le rappelle, provoque déjà et provoquera dans l'avenir des millions de migrants à travers le monde, et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra se poser la question migratoire ni identitaire. Car je le rappelle, l'eau est un bien commun essentiel à la vie, et de par ce fait, appartient à l'ensemble du vivant, humanité comme nature comprise. C'est tout pour le moment, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Alors tu vois le Green, absolument Green, un Green plus Green.